C'est Ma Région, le magazine de découverte sur Sensation. Bonjour à tous, c'est Ma Région, c'est maintenant. Dans les Yvelines, à Croissy, le musée de la Grenouillère retrace l'histoire de son célèbre musée flottant, la Grenouillère, où à la fin du 19e siècle, Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir ont peint leur première toile impressionniste. À la base, un simple petit îlot de quelques mètres carrés où les Parisiens venaient profiter des bords de Seine, puis aménager en guinguette grâce à une péniche. La Grenouillère fut un véritable lieu de retrouvailles où la bourgeoisie parisienne venait se délasser et prendre du bon temps. Pour remonter à cette époque, était organisée chaque année la fête de la Grenouillère où les personnes venaient se plonger dans l'ambiance de la fin du 19e siècle. On écoute Anne-Marie Guiponi, présidente du musée de la Grenouillère. Les berges sont en mauvais état et les voies navigables de France, ça coûte très cher, sont en train de plus ou moins petit à petit de les restaurer, de consolider la digue en particulier, et donc l'accès maintenant est interdit. Mais nous avons fait pendant très longtemps des fêtes, on prenait le bateau là, à Chanorier, on traversait un bras de Seine, et on arrivait sur ce fameux endroit où le camembert était présent. Quoi. Mais il n'existe plus, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les voies navigables de France avaient tout rasé pour que la navigation fluviale puisse se faire. Donc, on a fait un camembert artificiel pour montrer que c'est là qu'était le camembert et que c'est là que Monet et Renoir sont venus peindre leurs fameux 6 tableaux. Quoi, hein. Alors, on ne peut plus y aller. Alors, on fait toujours des petites fêtes, mais malheureusement, sur le site lui-même, on ne peut plus y aller. Et c'était pourtant un endroit très festif parce que ça attirait même du monde de partout, des Yvelines. On chantait, on dansait et surtout on se costumait. Parce que les costumes, vous les voyez là, ça avait une grande, grande importance à cette époque-là. Donc nous, de temps en temps, il y a eu la nuit des musées dernièrement, eh bien nous, bénévoles du musée, nous avons voulu nous costumer hein, pour montrer qu'on était encore dans ce petit mouvement impressionniste. C'est Ma Région, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes dans votre région. C'est Ma Région sur Sensation.